Céleste sur fréquence, les bosses 13 50 à vous tous de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont l'Aquitaine. Et côté circulation, c'est tout cuir, mais il fait bien froid ici. Attention la belette pour Dindy 33 qui t'appelle. Attention, Centaure, Daniel, pour Dindy 33 qui t'appelle. Et 73 Daniel, comment savais-tu que j'étais là ce matin? Ah, je suis trois coups, je suis sur la rocade. Je me suis rappelé que c'était ce matin là, que tu débauchais. Attends, je vais couper la ventilation là parce que je te dis pas, ça fait un bruit là, c'est impressionnant. Ouais, ok, je dis le bonjour à toi, voilà, ça y est, avant-dernier jour de la semaine. Hein. Alors non, je débauche pas, qu'est-ce que je fais? Tout faux, voilà, je reste là. Non, je débauche pas, c'est demain soir que je pars au pro. Voilà, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Aujourd'hui, ben, j'ai été appelé pour être en journée à Mérignac. Ah d'accord, oh là là, bon, ok, pardon, mais moi ça va un peu mieux, mais enfin bon, c'est pas encore ça, hein. Voilà. Là ça fait 3-4 jours mon pauvre, là, je mettais une couche là de crème. Et enfin bon ça c'était dur, voilà, mais bon, ça c'est pas grave, j'y suis allé quand même, là ça va beaucoup mieux là, je pense, mais bon, ça va beaucoup mieux. Et tout sera prêt pour le samedi 10, il n'y aura pas de problème Rémi. Je te réserve une petite surprise aussi. Oh là 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 là. Alors là, je suis curieux de voir ça. Ouais, je suis au feu là de... Ah zut, c'est quoi, je sais plus la sortie là à Mérignac. Ça fait longtemps que je suis pas allé là où je vais là aujourd'hui là. Oui voilà, j'en dis pas plus. Ouais, tu vas à la maison principale, si j'ai bien compris là, tu vas à la maison principale. Ouais, on va dire ça comme ça. Oui, voilà, oui. Oui, par rapport à moi, j'ai la maison secondaire, moi. Attends, je suis en train de perdre le micro. Ah, chi. Oui, voilà, c'est exactement ça, quoi. Voilà, c'est ça. Puis là je prends un moins de quart. Donc ça va, j'ai un petit peu de temps. Mais bon, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il faut arriver une demi-heure en avance pour pouvoir aller dans les différents points avant d'embaucher, quoi. Ouais, je sais, ils sont chiants là-bas pour ça, ouais, tout à fait, bon, mais ok. Voilà, ouais, mais bon, mais j'essaie de... Donc, t'as vu la petite maquette que je t'ai faite, ça a l'air de t'avoir plu. Attends, tu m'as envoyé plein de trucs. Non, la dernière que je t'ai envoyée, là, tu m'as répondu, et apparemment, ça avait l'air de te plaire. Avec les dessins et tout? Affirmatif. Non, tu vas pas faire ça. Ah, si. Attends, je suis sur les ronds-points.
Voilà, je suis là. Non. ah ben on va rigoler là. Ah, je suis trois coups. Et en plus, tiens, tu parles de ça. T'as vu le Québécois, la banderole, la bannière là, qui s'amusait là, à bricoler hein. Putain, elle est sympa, quoi. Ouais, donc j'ai vu ça hier, ouais, effectivement. Ouais, j'ai vu ça hier aussi, là. Il y en a qui vit dans mes pensées ou quoi, là? Parce que j'ai rien envoyé. J'ai tout fait moi-même. Je t'ai fait... je t'ai envoyé à toi. Voilà, mais à ça, toi, je m'y attendais vraiment pas du tout, hein. Ben, hey, moi non plus, quoi. C'est, t'as commencé déjà à 8h72, je crois, du Québec. Je ne saurais plus te dire la ville. Il est en même temps membre, bon, il est sur le groupe, et il est aussi membre du forum. Et en ce moment, c'est grande discussion avec un autre Québécois aussi, là, sur le forum. D'accord. Bon, après, le Québec, il faut savoir que c'est le pays de l'humour. Hein. Si tu n'as pas d'humour, il faut parler au Québec ou suivre les Québécois. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Voilà. C'est vrai qu'ils sont pleins de délire comme ça, eux. Attends, je suis en train de prendre le micro à l'envers. Attends deux secondes. Attends, j'arrive. Ah ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Bon voilà, je suis... Putain, il y a du QRM ici, oh la vache. Là, je suis stationné, là. Ouais, non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis en plus sur pas mal de groupes québécois, de ça, donc il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Et je vois, là, sur le forum, là, par contre, je suis avec... ensuite, il m'a donné son QRZ, j'ai zappé, quoi. Oh, quel con. Non, c'est pas grave, hein. Et là, tous les jours, là, on se parle, là, sur le forum, c'est pas mal sympa, quoi. Il me dit, il a commencé chez lui, justement, au niveau de la CIBI, tout ça. Bon, il parle de son pro. Alors, son pro, c'est, pour résumer, il s'occupe de la sécurité routière là-bas au Québec. Voilà, pour faire simple. Et bon, il est souvent appelé sur des accidents, dépannages, tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est, voilà, c'est ça son point. Et apparemment, c'est pas du tout repos. Hein. Ah non, tout à fait, Rémi. Ben, c'est un peu notre DDE à nous. Enfin, bon, ex-DDE, puisque c'est plus la DDE. Voilà, c'est la dire maintenant. Voilà, c'est la même chose que chez nous, mais en France, ce qu'il y a là-bas, bon, c'est. D'accord, ok. Ah ouais, mais écoute, ben, il faut pas croire, ils ont des heures pas possibles. Ils peuvent aussi bien finir de bonne heure que finir à des heures pas possibles, suivant les intempéries et tout ça, puisqu'en plus ils sont amenés aussi à intervenir sur les intempéries, donc neigeux et autres, hein, les accidents et tout ça, quoi. Donc oui, non, je vois très bien le travail de... du confrère québécois, hein. Ça, il n'y a pas de souci, Rémi, c'est vrai que c'est une... voilà, hein, donc, bon. Mais après, oui, comme je te disais aussi, de toute façon, c'est vrai qu'ils ont la déconnade facile, hein. Voilà, donc, ben, moi, c'est pareil, là, je suis un ou deux groupes, là, québécois, hein, donc, voilà, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi ce qu'ils font, là, tout ça, là, mais, bon, voilà. Pardon. Ah ouais, comme je te disais tout à l'heure, là, ça fait 4 jours là, depuis dimanche là, que je ne suis pas sorti dimanche. Déjà, je voulais aller faire du vélo parce qu'ils avaient annoncé du beau temps, mais vu l'état de santé où j'étais et puis le temps qu'il a fait finalement, et bien, je suis resté au chaud, tu vois. Voilà, et puis depuis dimanche, là, je suis pas franc là. Donc, mais là, bon, ça va quand même beaucoup mieux là. J'ai compris ce qu'il fallait ce matin là. Et voilà, donc pour être en forme pour la semaine prochaine, on va dire ça. Voilà, Rémi. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, oui, non, mais bon, je vais voir, parce qu'il faut que j'avais dit que j'essaierai de retravailler celle que j'ai.
envoyé là, je vais essayer de retravailler autre chose là. Ok, par contre je suis en train de regarder l'heure, va falloir que je passe QRT là. Puis là je vois, ils sont en train de me regarder là. H3 coup. Donc je vais devoir passer QRT. Ok Daniel, il n'y a pas de souci. Tu termines à quelle heure? Ah, moi je finis à 14h. Oh la vache, oh le fonctionnaire. Je sais plus ce qu'il y a de marqué sur mon planning. Je crois que c'est 16h45. Je sais plus quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Quoi. Allez, faut que j'y aille. Les 73 à toi, Daniel. Là, je fais une petite vidéo. Comme ça, ça va permettre de montrer un petit peu l'activité. Tout à l'heure, j'ai suivi là, un peu un QSO là, sur le canal 30. C'était pas mal sympa. Ça parlait justement de bricolage au QRA, tout ça. Je suis tombé après sur des Espagnols sur le canal 40. Un petit bonjour en passant sur le canal 19. Voilà, et je continue à parler, il est 6h15. Allez, je te laisse Daniel, les 73 à toi, merci pour ce petit QSO, et à la prochaine. Ok Rémi, bah écoute, j'essaierai de te d'être derrière la station tout à l'heure, hein. Voilà. Ok, allez, bonne journée à toi, surtout t'avons pas le beau jour là-bas. Non, enfin, tu fais comme tu veux, voilà. Non Rémi, allez, on est bien, puis je te dis ça ce soir, là. J'essaierai d'être à l'écoute. H3 coup, ouais, y'a pas de problème. Allez, j'y vais, les 73 à toi, bonne journée. Ok, 73, bonne journée, 73, on écoute. Ah, c'est clair, t'as raison, mais l'autre jour, j'avais le Rémi, il en a chopé un, mon pauvre, il a mis ce qu'il fallait. Ton position s'interdit. Parce que moi aussi je coupe sans interdit, attends. Moi c'est parce que j'ai coupé un vrignon. Ouais, affirmatif, la station. Là, je suis rocade côté entre Mérignac et le lac. Voilà, en gros. Et c'est vrai que là, c'est pas évident de ce côté-ci, quoi. Oh putain, la vache. Ouais, ben justement, c'est la direction que je vais prendre pour l'Aquitaine. Comment? Ah oh putain, ça a du mal à passer. Hein. Les 73, la station de la part de Dandy 33. Ah, ça crachote, ça crachote, ça crachote. Ah, ben là, c'est ok, c'est bon, là ça marche mieux là.
Ouais, puis la soir, j'ai la petite antenne, j'ai pas un grand antenne comme d'habitude, alors ça marche beaucoup moins bien. Ah bah de suite, toi aussi. Bon, ça va, côté QRM, là, sur la fréquence, ça a l'air d'être propre, là, aujourd'hui. Hein. Là, j'ai vu, là, c'est hier. Oh, putain, la vache. Ah, ça dépend des jours. Il y a des jours, c'est infernal, des tournures. Où c'est que tu es, là ? Eh bien, j'aimerais bien te dire. Arrêtez sur la rocade. Je te rassure, ça ne sent pas tout seul. Il y a beaucoup de monde arrêté, là, sur le fond d'Aquitaine. Hein. Ça monte tout petit. Hein. Ouais, super, je suis content. Bon. C'est la fête. Tu rentres en QRA ? Ouais, je sors du pro, là, aujourd'hui j'étais sur Mérignac. On rentre à la maison. Oh putain, t'as des petits soucis par moment là au niveau modulation. Hein. Ouais, mais je crois que le pro, il décolle un petit peu, puis l'antenne aussi, ouais. Ah ouais, et c'est vrai que par moments ça fait des coupures, je sais pas, comme s'il y avait un souci au niveau du branchement du micro, je sais pas, des faux contacts. Ah mais je sais pas si déconne pas un peu le micro, effectivement. J'avais arrêté, c'est la bidouille, pas quelque chose, j'avais repris une autre. Ah oui, ok. Ouais, ça c'est pas le poste que j'ai l'habitude, c'est pour ça. Bon allez, mais sur ce mon petit Rémi, mais un bien, puis bon bonjour, parce que ben un peu pas si ça roule, mais c'est arrêté pour pas avoir, effectivement. Ok. Très content de t'avoir entendu, les bosses 1351 à toi et à la prochaine. Ok, mais tout ça ressemble. Allez, amuse-toi bien, sois mignon, ciao. Ok, toi aussi, bye bye. Ah mais moi comme d'habitude, toujours mignon, toujours avec des copines. Hein. Ah, chie trois coups. En fait, tu m'entends bien là, parce que là, je suis qu'avec le poste, c'est tout. Là, j'ai rien derrière. Ouais, il n'y a pas de problème. Tu vois, je suis en bas du pont d'Aquitaine. Je viens de descendre. Et ouais, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on va forcément se croiser. Ah, bien mal pour ça. Oh, sur ton cas, tu vois, mais ça y est. Je viens de passer la première bretelle qui est en bas du pont d'Aquitaine. Et bien, ça y est, on est à la réseau aussi. Hein. Ok, alors qu'est-ce que je vois? Prochaine sortie, Pauillac. Alors c'est là combien ça? C'est tâché un peu loin là pour voir le numéro. Ah, je suis juste au niveau de Ikea, tu vois. Ok, voilà, sortie, j'arrive, je suis pas loin de la sortie 7. Voilà, je viens de me foutre sur la voie de la plus à gauche. Comme ça tu seras sûr de pas me rater quoi. Bon ouais, mais là moi je suis parmi le passé, par contre je suis avec le poche de madame, j'ai un petit Sandero rouge. Ok, ben de toute façon moi je suis toujours avec le Duster blanc. Hein. Oui, ouais, je me doute bien que t'as pas trop changé, oui, effectivement. Alors, et puis là, allez, on va dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le Duster. Belle antenne, puisque là j'ai maintenant une Wilson 5000. Alors ça fait déjà peut-être, ça fait quoi 2-3 mois peut-être que je l'ai. Ouais, environ, ouais. Ok, ouais. Bon, moi j'ai une, alors c'est pas trop la marque, c'est une P5000, celle que j'ai sur le mille plate. P5000, Power 5000, ça m'interpelle ça. C'est une telle embâche qui s'allume en vert, là, l'espèce de plastique vert en bas, et ça s'allume quand tu modules. Oui, ça y est, je la vois très bien, affirmatif, ouais. Allez, je l'ai là de présenter sur mon forum. Ouais, mais je suis emmerdé, chaque fois que je module, je vais tomber un satellite ou un ordi. Quand tu es emmerdé, quand les autres gueulent, ouais. En plus, le truc qui est bien, c'est que quand tu croises les papas 22 que tu es en train de moduler, mais ils sont de suite au courant. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je m'efforce de ne pas les énerver. Tu m'étonnes, pour vivre heureux, vivre caché. Tout à fait, bon, après j'ai pas grand chose à cacher, parce que quand t'es honnête, après il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, je vois le signal qui commence à monter un petit peu. Là, je suis presque rendu à la sortie 7. Ah ouais, mais moi, je te confie, c'est tout simple, tu dois avoir un petit target à 2 euros, non? Oui, voilà, c'est ça, pas plus. Oh, c'est bien suffisant, et ta grande gueule que j'ai, ah, chie trois coups. Ouais, oh, il pédale pour faire de l'énergie. Comment tu l'as deviné?
Ah, mais ben, comme ça, c'est la pratique de longues années, ça, y a pas de problème. Non, non, là, mais là, tu vois, j'arrive au niveau des stations et tout, là. Ils sont à petite gauche, hein, non, mais pas. Pour le moment, ça a l'air de rouler un petit peu autant dans les stations, là, enfin. Ok, tiens toi justement, là, le fait qu'on se parle, ça me fait penser à un truc. Hein. Sur internet, là, sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de voir les gens, il n'y a personne en fréquence. Mais le problème, c'est que eux-mêmes attendent que quelqu'un prenne le micro pour parler à leur tour. Et quand personne prend le micro, eh bien ça fait de suite beaucoup moins de bavards. Tu vois, là, j'ai commencé à parler tout à l'heure, tac, et tout, et puis paf, ça a répondu de suite. Et là, c'était toi ce coup-ci. Hachi. Ah, tout à fait. Mais là, tu vois, je suis parti vers les 2h30, 3h à Barbezieux. J'ai fait l'aller-retour, j'attendais personne. Et j'étais attendu, moi, j'étais au niveau de Peugeot. Et j'attendais dans le lointain, pour y verra, c'était tout petit. En plus, j'avais la petite antenne, alors du coup, je t'ai pas rappelé. Mais j'attendais au niveau de Peugeot. Ah oui, quand même. Parce que là, là, j'ai rien derrière. Il faut que je change mon fusible qui est en sortie de batterie. Avec Alpha Lima, il n'a pas aimé, quoi. J'ai émis un truc, une merde apparemment, hein. Pourtant c'était un gros fusible, mais c'est les fixations dessus qu'on pas supporté. Et du coup j'ai le plastique du porte-fusible qui a fondu, hachi. Ce qui veut dire que à chaque fois que je passais en émission, eh bien ça me coupait tout, quoi. Voilà. Et donc là, vu le temps qu'on a en ce moment, ben, j'essaie de le faire durer un petit peu. Mais je suis qu'avec le poste. Là, comme ça, ça chauffe pas, ça va très bien, quoi. Et puis bon, côté tos, ça va aussi, là, c'est impeccable. Là, au contraire, c'est même un peu mieux qu'avant. Ah ouais, bah la pierre mat, hein. Là, tu vois, au niveau des containers de Bruges, je copie pas de problème. Hein. Oui, des fois, on veut toujours mettre du plus puissant, puis après, ça fait des conneries plus qu'autre chose. Alors. Il vaut mieux laisser un peu moins puissant, puis ça marche bien, c'est le principal. Hein. Dis-moi, j'ai entendu dire que Soldat Radio 33 avait repris, c'est vrai ça ou pas? Alors, non, pas Radio 33. Par contre, tu as le réparateur de Radio 33 qui s'est mis à son compte. Alors, ça s'appelle SAV Radio 33 ou Service après-vente Radio 33. Voilà, donc c'est lui seul. Et tu as toutes les infos sur Internet. Ou alors tu vas directement sur mon forum, la planète Sibi francophone, et tu trouveras un lien dessus justement là qui envoie dans la rubrique justement sur les magasins et tout. Là tu trouveras tout ça dedans, quoi. Ah ouais, j'ai discuté avec un chanteur l'autre jour, il m'a dit mais si ça a réouvert, je lui ai dit mais c'est fermé. Il m'a dit non mais ça a réouvert. Je lui ai dit putain quand même ça m'étonne. Bon, j'ai dit bon quand j'aurais lundi, justement c'est un mec de raconter plus de choses que QRZ de Saint-Guyen de Transport Transit. Il doit te contacter normalement et c'est ça dans son feu. Bon, je sais pas si c'était fait, c'est lui qui m'a donné l'info. Bon alors ben faudra que je vérifie l'info. Parce que je sais pas tout moi non plus, mais hachi. Donc il faudra que je vérifie l'info là pour voir ça. Alors je sais pas, Radio 33 réouvrirait, je sais pas, aucune idée. Et tu aurais une info éventuellement sur le QTH? Ben c'est lui qui m'a dit qu'apparemment sur le rouvrir, alors je sais pas, j'ai pas pu vérifier encore. Là je suis au niveau de la certification, bien oui, tu me colles l'aiguille. Maintenant je vais vérifier ça, c'est 4 en couche, et puis après on transmettra aux copains s'il y a besoin. Voilà, vache, tu dois être en train de passer à côté de moi, là. Mais là, je viens de sortir, je suis à la sortie 7, je suis en haut sur le pont. Alors oui, effectivement, je sais pas où tu es, toi, mais oui, ça fait du bruit dans ma boîte. Ok, je t'ai aperçu vite fait, quoi. Là, j'ai même pas le temps de tourner la tête. Là, sur le côté, j'ai vu une voiture rouge passer. Hachi. Voilà, c'est ça, c'est le véhicule de madame, parce que moi, la mienne est restée au pro, vu que j'entends avec le 1000 pattes, c'est cette petite gomme, c'est au courant. C'est quoi qu'à faire les carambolages, ça? Je vais lui dire que je lui dirai. Mais il faut bien, je regarde aller au travail, qu'est-ce que tu veux? J'ai des yeux, alors je m'interne de tomber aveugle. Ok, t'as raison. C'est pas parce que... comment on dit déjà? C'est pas parce qu'on est marié qu'on a plus le droit de regarder le menu. Et je ne fais que regarder. Bon, après, il m'autorisera à toucher, je te dis que oui. Par contre, je ne cracherai pas sur le morceau. Non, mais on va être raisonnable. Bon, mon petit ami, ça roulotte un petit peu après, là, au niveau de la sortie, ça rentre un petit peu. Et après, t'as un léger bouchon, on va l'attaquer pour un système. Après, c'est bon, ça roule. Ok, c'est impeccable ça. Alors, attends, qu'est-ce que je vois? Pont d'Aquitaine fermé. Hachi, non, de 21h à 6h. Putain, ce matin, j'arrive sur le pont d'Aquitaine à 6h moins 10. Je me suis dit, oups!
Et puis non, c'était déjà ouvert. Ok, les 213-51 toi, et ben amuse-toi bien, promène-toi bien. Ok, ben j'allais décorer le mille-pattes maintenant. Allez, mais je te souhaite une bonne petite soirée, mon petit Rémi, puis ben ma foi, à plus avec plaisir. Attends, tu viens de me dire un truc qui m'interpelle. Qu'est-ce que tu veux faire sur le mille-pattes? Oh, j'étais lui assez quelques rousses pour qu'il soit un peu plus joli, des conneries, tu vois, pour décorer. Dans le genre, le transformer, faire de la custom avec? Ah non, ça j'ai tout ce qu'il faut, mais là j'ai pas le droit, ça me fait trop chier. J'ai des pleines boîtes de feu, de tout un tas de conneries, et je peux même pas les installer, j'ai pas envie de faire de trou. Ah, je suis malade. Non, non, là j'ai acheté des housses, tout un tas de conneries pour décorer un peu la cabine sans faire de trou. Oh oh, j'ai hâte de voir ça sur la route. Ouais, enfin, quand j'ai dit custom, c'est vrai que le nouveau mot c'est tuning, hachis. Ouais, faudra que, comme ça, dans le noir, là, qu'on arrive à se croiser, hachi. Mais y a pas de problème, ça sera un plaisir, mon petit ami. Allez, je suis dans les grands feux rouges de Gilles, un peu devant, on va avoir été prudent. Je te souhaite une bonne soirée, Rémi, puis à bientôt, une prudence. Ciao. Ok, les bosses 1351 à toi, content de t'avoir eu en fréquence. C'est vrai que c'est à chaque fois que je t'appelle, dès que je suis de passage sur Bordeaux, c'est-à-dire presque tous les jours, je t'appelle, et puis toi, là, ça y est, aujourd'hui, ça a payé, quoi. Non, même pas, j'ai même pas eu besoin de t'appeler, c'est toi qui as répondu de suite. Ah, si. Ok, les bosses 1351 à toi, content de t'avoir eu en fréquence, et à la prochaine. Bye bye. Allez, ciao, mon ami, on va tous retourner, ciao. Ok, ciao. Attends, hop là, je viens juste de revenir sur le 19. J'étais en train de faire un tour de galette. Il n'y a pas de problème pour ça. Oui, je te disais, c'est à l'occasion, si jamais t'as un GFK ou Coco, tu envoies les bonnes amitiés, parce que moi, ça fait des siècles que je ne les ai pas copiés. Alors, Coco, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Ah ben oui, je montais en Charente-Maritime, chez les beaux-parents, je montais à Marraine. Et il était dans son push, lui il allait de son côté, moi j'étais sur l'autoroute. Et là, pareil, hein, je faisais mon petit monologue là sur le 19, quand il a répondu, hachi. Donc lui, je sais que ça va bien. JFK, c'est vrai que j'ai pas de nouvelles, mais il n'y a pas de problème, je leur transmettrai. Il t'en remercie, je te le rendrai, mon fils. Allez, bonne soirée, prudence, à plus, Rémi, merci, ciao. Ouais, mais pour ça, faudra que tu le mettes au courant. Hachis trois coups. Ok, ça marche. Bye bye. Bye bye, Rémi. Merci. Bye bye. Les 73-51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et pour ce qui en est de la circulation, eh ben c'est pas mal chargé. Il y a quelques bouchons et tout, même si c'est des vacances, eh ben, de toute façon, Bordeaux, sans les bouchons, c'est plus du Bordeaux. Hachis trois coups. Les 73, c'est très QRP, là, de mon côté, là, en haut du pont d'Aquitaine, j'ai pas reconnu. Ah la vache, c'est vraiment vraiment très très QRP là de mon côté là. Voilà, je suis en train de redescendre là du côté Lormont. Hein. Enfin, les 73-51 toi, désolé mais là j'arrive vraiment pas à te sortir. Enfin, content que quelqu'un ait répondu, ça montre que, bah oui, il faut prendre le micro, hachi, si on veut entendre du monde en fréquence, hachi trois coups. Ah ben voilà, le pont d'Aquitaine passé, c'est fini, je t'entends plus là.
Fox 5, c'est bon, passez.